Si, si, tu voyais son visage. En, mais c'était action. Vachement intéressant. Non, mais juste après, dans le plan, elle bougeait. Et c'est le seul, parce qu'on s'est quand même tapé 600 trucs ratés d'un coup de revolver dans la nuque. Hein. Ouais, ouais, quand même. C'est le seul qui a géré l'assommage. C'est le seul qui a géré l'assommage. Au-delà de tout ça, s'il passe au troisième tour, et je ne sais pas qui sera le jury du troisième tour, mais moi, je n'assumerai pas de lui mettre plus que trois. Oui, parce que les trois, ce mauvais. Qui me fait chier, c'est que j'ai, c'est le seul, si tu veux, où je me dis, on est peut-être en train de faire, de plomber un mec. Non, mais on est peut-être en train de virer un mec qui a peut-être un truc. Tu veux aussi, Cronenberg, il a 18 ans, tu ne vas pas lui dire... il devait être assez barré aussi, tu vois. Je te dis pas que le mec c'est Cronenberg, mais je te dis, bon, c'est non, pas parce qu'il là, est barré qu'il faut pas... Plus d'un, hein. Tu vois, Dreyer, ça devait pas être la joie de vivre à l'oral, quoi. Ouais, ouais. Fait qu'il soit imbuvable, c'est fort possible, nous, on n'avait pas parlé, tu vois. Mais en tous les cas, sur le plateau, voilà, tout le monde était dedans, on était dedans, on C'est ça qui me fait peur, c'est qu'il paye sa dinguerie après, les mettant en scène dingue, il y en a, quoi. Et que j'ai pas envie de faire la converse avec lui, alors là, aucun problème. Si tu veux, moi, s'il rentre à Fémis, je pars en courant quand je le vois. Mais il est là, quoi. Fou. Non, mais attends, le mec, tu lui dis, passe-moi le sel, t'en as pour 18 minutes 30. Mais c'est pas contre la mise en scène. Si t'es fou, ça t'empêche pas d'être un grand metteur en scène. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on empêche un mec de faire ce qu'il a à faire, si ce qu'il a à faire est aller à la Fémis. Parce qu'il est dingue. Mais c'est pas parce qu'il est dingue. Il est doué et dingue. Parce qu'on fait quand même des métiers où il faut savoir un peu communiquer. Non. Avec, si. Non, parce que là, tu donnes un point de vue unique de ce que doit être un metteur en scène. C'est ça qui me fait chier. Tu dis un metteur en scène, ça doit communiquer. Regarde le mec de Drive, sans déconner, tu le vois, le mec de Drive, il sait pas communiquer. Moi non plus. Mais du tout. C'est-à-dire que tu vois un documentaire sur ce mec, il est fou allié, n'empêche, c'est un génie. Enfin, tu vois, quand tu vois ses films... En tout cas, disons que c'est un metteur en scène, tu vois. C'est un génie. Oui. Tu vois, non, mais tu le vois avec son équipe, il est fou furieux, il dit pas un mot, il est cloîtré dans son coin, il y a à peine sa femme qui sait lui parler, il va chercher des jouets dans des boutiques de jouets alors que tout le monde est sur le plateau. Moi, j'ai peur de ça, qu'on se foute dans un truc de genre, ça nous correspond pas... Alors on l'éjecte. Et moi, ça me fait toujours peur, parce que c'est des positions où finalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, celui-là, il rentre parce que je l'aime.